Bon, eh ben, nouvelle année, mais on change pas les habitudes. 2021, ça a été une année particulièrement agitée. Je vais pas m'attarder sur tous les soucis apparus au cours des mois, mais entre les sorties de jeux rushés, les remasters honteux, ou encore l'énorme raz-de-marée qu'a été le feuilleton Activision Blizzard, on peut dire que c'était pas tout le temps joyeux. Si on rajoute à ça le fait que beaucoup de personnes ont aussi été déçues par les sorties de cette année, 2021 n'a définitivement pas marqué les esprits. Pour autant, même si j'ai un sacré goût amer à cause de toutes les horreurs concernant les studios de développement, j'ai joué à des jeux incroyables en 2021. Alors certes, je n'ai pas eu ce jeu qui a redéfini ma vision du jeu vidéo ou d'un genre. Je n'ai pas eu mon très cher Hades. Je n'ai pas eu mon Outer Wilds, quoiqu'on y reviendra pour celui-là. Ou encore, je n'ai pas eu un Céleste. Néanmoins, cela ne m'a pas empêché de découvrir des œuvres fantastiques que j'ai envie de vous partager. Alors c'est pas vraiment mon style de faire des bilans de fin d'année, mais je dois vous avouer que j'adore ce genre de contenu, et que j'ai une envie immense de vous partager tous ces jeux merveilleux. Et puis je trouve que la période que l'on vit est pas particulièrement réjouissante tous les jours, donc partager des trucs cool, ça fait jamais de mal. Allez, c'est parti pour les jeux que j'ai préféré jouer en 2021. En début d'année 2021, je n'attendais pas grand chose. Du coup, j'ai décidé de faire du rattrapage de saga culte. J'ai donc fait tous les opus Halo de Bungie, et c'était plutôt cool, notamment pour Halo Reach, et j'ai surtout joué aux extraordinaires opus PlayStation de Final Fantasy. L'année dernière, j'avais été emporté par la formidable aventure Final Fantasy VII Remake. Bien qu'imparfait, le voyage était incroyable et il m'avait bien donné envie de découvrir l'original. Alors ça valait quoi Final Fantasy VII en 2021 ? Eh bien, c'était grandiose. J'aurais mille choses à dire sur le jeu, mais on n'a pas le temps, alors pour faire vite, je comprends pourquoi il a marqué l'année 1997. C'était un jeu terriblement en avance sur son temps. Parce que oui, l'univers est top, l'histoire est passionnante à suivre, le système de Materia est cool, les musiques sont sublimes, mais c'est surtout un jeu qui utilise les mécaniques propres à son médium pour nous faire ressentir des émotions et pour nous tromper. S'il y a plein d'exemples sur tout ce qui entoure Sephiroth, cela concerne aussi certains membres de notre équipe, dont on ressent réellement l'absence à des moments clés. Bref, un pur plaisir à parcourir, et toujours aussi marquant en 2021. Final Fantasy VIII m'a quant à lui un peu rebuté au début, notamment à cause de son système de combat particulier. Il m'a cependant bien accroché quand l'histoire a décollé, et surtout quand il commence à déployer des moyens gigantesques de mise en scène, toujours aussi impressionnant aujourd'hui. Enfin, j'ai peu de choses à dire sur Final Fantasy IX, si ce n'est que c'est un opus très solide, que je retiendrai particulièrement pour ce petit personnage touchant qu'est Bibi, avec ses interrogations universelles. Pour résumer, les Final Fantasy PlayStation, c'était le feu, et j'ai trop hâte de découvrir la suite cette année avec Final Fantasy X. Tant qu'on est dans les gros RPG qui tâchent, il faut que je vous parle de ma saga fleuve de l'année, Divinity Original Sin. C'est une saga qui m'a toujours attiré, et je n'avais pas sauté le pas parce que je pensais que le combat au tour par tour allait m'ennuyer. Et je pouvais pas plus me tromper. Non seulement j'avais tort à propos des combats, mais j'ai surtout découvert des véritables pépites du genre. J'ai commencé par le premier, avec trois amis grâce à un mode PC, et l'expérience a été vraiment marquante. Cependant, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que Divinity Original Sin 2 fait tout pareil que le premier, en mettant la barre toujours plus haute. Les possibilités pour résoudre un combat ou une quête sont assez grandes, les styles de jeu sont variés et intenses, l'écriture est top, même si j'avoue que c'est pas facile à suivre à 4 joueurs, les musiques, oh là là, ces musiques si douces et si atmosphériques rendent cet univers incroyablement vivant, et plus que tout, on a cette impression de vivre un pur jeu de rôle. Divinity Original Sin 2, c'est un plaisir à chaque session, on est encore loin de l'avoir fini, et pourtant je sais déjà que ça va être un de mes RPG préférés, et je sais déjà que j'y retournerai pour tenter de nouvelles choses. Je suis peut-être trop enthousiaste sur ce jeu, mais que voulez-vous, ça a été une expérience inoubliable, et cela m'a bien aidé à surmonter cette année. Petite note avant de finir, un gros défaut du 2, c'est qu'une fois tombé dedans, vous aurez du mal à vous mettre au premier, tellement il est meilleur en tout point. Il n'est pas nécessaire, mais si jamais vous êtes intéressé, vous voilà prévenu. Bref, Divinity Original Sin 2, c'est incontestablement mon gros coup de cœur RPG de cette année. Ah, Dark Souls. Peut-être que vous avez poussé un soupir d'ennui à force d'entendre ce nom ressortir à chaque énième débat éternel sur la difficulté où on tourne en rond. Et j'avoue ne pas être pressé de revoir ça pour la sortie d'Elden Ring. Par contre, j'attends énormément ce dernier,
et pour combler mon attente, je me devais de faire enfin le dernier opus de la trilogie des Souls. Alors pas de surprise ici, car j'ai évidemment adoré parcourir les terres du royaume de Lothric. C'est peut-être pas l'opus qui m'a le plus impacté, mais c'est sûrement le plus abouti et le plus équilibré, avec des environnements somptueux et avec les combats de boss les mieux gérés. Et c'est un jeu que je conseille fortement, même s'il s'apprécie encore plus avec le bagage des deux opus précédents. Si ce n'est pas tout à fait une suite directe, on sent une réelle volonté du studio de faire un opus conclusif, de faire un best-of et surtout un hommage à ses années de développement, et cela se ressent partout manette en main. Alors certes, le jeu est difficile et je ne vais pas m'éterniser sur ce débat, mais oui, les jeux de From Software sont compliqués à prendre en main, car ils demandent de trouver une manière de jouer auquel on n'est pas habitué la première fois, et les jeux ne possèdent pas de très bons tutos pour ça. Néanmoins, si Dark Souls 3 selon moi est parfait pour conclure une trilogie, il est aussi plus adapté que les précédents pour comprendre cette manière de jouer, grâce à plein de petits ajouts agréables en main. Je suis quasi certain qu'Elden Ring renforcera encore plus cela, vu les progrès sur Sekiro, et j'espère que cela permettra à plein de personnes de découvrir cette manière de jouer qui m'emporte toujours. Quant à Dark Souls 3, je conclurai mon avis sur le magnifique travail musical de Yuka Kitamura, compositrice de talent dont on entend trop peu le nom, mais croyez-moi, son travail pour From Software est tout simplement exceptionnel. Bon, les gros rattrapages c'est fait, donc on va maintenant enchaîner avec mes jeux préférés sortis en 2021. Je précise juste que je suis incapable de les classer, donc il n'y a pas d'ordre précis, à part peut-être pour mon numéro 1. Allez, on commence. Il y a peu d'expériences qui m'ont autant bouleversé cette année que Before Your Eyes. Déjà parce que le jeu raconte une histoire prenante et intense, vu que cela se finit en moins de 2 heures. Mais aussi et surtout, parce que c'est un jeu dont l'interaction principale ne se fait pas avec un contrôleur, mais avec le clignement de mes yeux. En effet, Before Your Eyes vous fait revivre plusieurs souvenirs du personnage principal et toutes vos interactions se feront par le clignement de vos yeux. Mais plus que tout, dans Before Your Eyes, le temps avance lorsque vous clignez des yeux. En effet, si vous voyez ce symbole apparaître à l'écran et que vous fermez vos paupières, le souvenir se coupe et vous passez au suivant. Cela permet d'assister à de véritables déchirements lorsque l'on veut en savoir plus sur ce souvenir touchant qui s'arrête brutalement parce que notre corps a instinctivement cligné des yeux sans qu'on s'en rende compte. Ce concept est incroyable et il est brillamment exploité dans une histoire émouvante. Le jeu a une durée de vie parfaite pour nous raconter ce qu'il a à dire en renouvelant un maximum ses idées avec les clignements et il arrête quand il faut. Petite précision, prenez vraiment votre temps pour calibrer votre caméra avec un éclairage constant car ça peut vite devenir frustrant si le jeu détecte des clignements là où il n'y en a pas. J'ai pas envie d'en dire plus pour vous garder la surprise de la découverte. Vous pouvez être plus ou moins marqué en fonction de votre affect vis-à-vis de l'histoire, cependant, sa faible durée de vie et son concept original m'obligent à vous le recommander à tous et à toutes. Death Door fait partie de la longue liste des jeux que je n'attendais pas et qui m'ont bien convaincu. Les premiers trailers m'ont directement accroché au point de lancer le précédent jeu du studio, Titan Souls. Et si j'admets que la proposition de ce dernier est cohérente et va jusqu'au bout de ses idées, j'avoue ne pas avoir été trop emballé par l'expérience qui était un peu frustrante. Ce qui est tout le contraire de Death Door. Ce dernier se présente comme un jeu d'action-exploration dans lequel on incarne un petit corbeau moissonneur d'âmes parti à la recherche d'un ancien confrère. Son aventure l'amènera ainsi à confronter des personnages qui ont tous un certain rapport avec la mort. Le jeu verra défiler plusieurs mondes que l'on pourra explorer pour chercher des petits secrets, améliorant notre personnage, ce qui sera crucial lors des combats. Parce que Death Door, c'est avant tout un gameplay précis et très efficace, avec quelques combats de boss intenses. Et si ça ne suffisait pas, le jeu propose une ambiance exceptionnelle qui arrive parfaitement à mélanger l'hostilité des environnements avec un calme et une mélancolie qui transpercent l'écran. Sentiment renforcé par une bande-son magistrale qui sait aussi bien être épique pendant les combats qu'atmosphérique dans certains mondes fantastiques. Death Door ne réinvente pas son genre, et c'est visiblement ce que beaucoup lui reprochent, mais il m'a convaincu par tous ces éléments artistiques qui lui confèrent une véritable personnalité et un charme indéniable. Oh, et du charme, le prochain jeu en est rempli à ras-bord. If on a Winter's Night, Four Travelers a été une surprise totale. Au détour d'un stream de GOTOS, j'apprends l'existence de ce jeu et j'ai été directement capté par son ambiance. Ni une ni deux,
je le lance dans la foulée, et oh là là, qu'est-ce que j'étais pas prêt. If on a Winter's Night nous raconte les histoires de plusieurs personnes inconnues qui se retrouvent conviées à une fête dans un train en Asie centrale à la fin des années 20. Chacune des personnes va alors entamer des discussions pour apprendre à se connaître et raconter leurs histoires. Un scénario à l'apparence très basique qui révèle quelque chose de bien plus viscéral et parfois même terrifiant. Parce que plus que son gameplay, qui est somme toute assez basique, c'est par son écriture que le jeu est profondément marquant. Sublimé par un pixel art à tomber par terre et par une bande-son appropriée, le jeu nous dévoile des histoires captivantes dans une ambiance qui m'a collé des frissons dans certaines scènes intenses. Jamais un pixel art ne m'avait provoqué ce genre de sensation. Un pixel art bouillonnant de vie et qui rend chaque personnage attachant et chaque décor saisissant. If on a Winter's Night est le genre d'œuvre que l'on découvre tard la nuit, sans trop savoir où on met les pieds, et où on ressort assez déboussolé et bouche bée. Je précise néanmoins quelques petites choses, c'est un point and click, donc le genre peut rebuter, notamment dans quelques moments où la résolution d'une énigme n'est pas claire, mais je crois que ça a été corrigé depuis. De plus, c'est en anglais intégral, donc il faut être à l'aise avec la langue parce que ça parle beaucoup. Et surtout, si vous ne l'avez pas encore compris, le jeu aborde des thèmes très compliqués comme le fascisme ou la mort, donc attention si vous êtes sensible à certains sujets. Dans le cas contraire, je ne peux que vous recommander de jouer à cette pépite créée par uniquement deux personnes et entièrement gratuit. Trouver autant de qualité dans un jeu gratuit, c'est limite criminel pour la quantité de travail abattu. C'est dispo sur itch.io et Steam, et il existe un pack supporter si jamais vous souhaitez aider les devs. Et en plus, cela ne vous prendra qu'environ 3 heures pour le finir, donc ne boudez pas votre plaisir. Tant qu'on reste dans les jeux qui ont été créés par une petite équipe, laissez-moi vous parler d'un jeu créé par 3 personnes, The Forgotten City. A l'origine, c'était un mode scénarisé de Skyrim qui a eu beaucoup de succès à sa sortie en 2015. Tant et si bien que son développeur a fait le pari fou de tout plaquer pour créer un véritable standalone The Forgotten City, en s'aidant de quelques personnes et qui aura mis un peu moins de 5 ans à sortir. Et forcément, si j'en parle ici, c'est que le résultat m'a entièrement envoûté. The Forgotten City nous propulse dans une cité antique romaine, cachée dans une grotte, et qui possède une loi bien particulière, la Règle d'Or. Toute personne qui commettrait un péché dans la ville provoque alors une malédiction qui transforme tous les habitants en or. Tout se passe très bien dans cette ville où personne ne cause de tort à personne, mais pourtant vous êtes appelé ici pour résoudre un mystère. Il se pressent que quelqu'un va briser la Règle d'Or. Pourquoi ? Qui ? Quand ? Comment ? À vous de le découvrir, tout en sachant que si cette règle est brisée, les dieux pourront vous renvoyer dans le temps pour tenter de nouveau de découvrir la vérité. Parce que vous comprendrez bien vite que la ville cache des secrets bien plus sombres, et que cette règle d'or est assez étrange, notamment sur sa notion des crimes. Bref, je n'ai pas envie de vous en dire plus, parce que l'histoire qui nous est racontée est très prenante et nimbée de mystères. Et vous l'aurez compris, c'est donc encore un jeu à boucle temporelle, comme il y en a eu quelques-uns cette année. Cependant, si 12 Minutes m'a déçu, je trouve que The Forgotten City a bien réussi à gérer sa boucle temporelle. Elle n'est jamais frustrante et forcée, et elle est utile pour faire avancer le scénario. Parce que le cœur du jeu, c'est évidemment son histoire. Je trouve que le travail sur l'époque antique est fabuleux. Sans dire que c'est un jeu historique, parce que c'est pas le propos, c'est un jeu fait par des personnes qui aiment profondément cette époque, et qui ont travaillé avec des experts pour la remplir de détails amusants et pour créer une cité antique magnifique. Le scénario a quelques rebondissements très sympathiques qui témoignent d'une véritable admiration de l'époque antique. The Forgotten City est cependant loin d'être irréprochable. Je pense notamment à un système de combat qui n'a pas vraiment sa place ici et qu'on sent hérité de Skyrim. Ou encore, une écriture qui peut être inégale à certains endroits. Mais j'ai été totalement emporté par ce jeu, par son histoire et son univers, d'autant plus quand j'ai su que l'équipe de dev était toute petite. Le travail est impressionnant. Je vous conseille néanmoins de retirer quelques options d'interface qui sont héritées de Skyrim et qui vous affichent un grand point d'intérêt à l'écran, résumant nos actions au suivi d'un marqueur de quête. C'est activable à tout moment si jamais vous êtes perdu, mais je trouve que le journal de piste est largement suffisant pour pallier à cela. Dans tous les cas, j'espère que vous apprécierez cette aventure, et à l'avenir, je serai très attentif envers les futures productions du studio Modern Storyteller. Ça promet du bon. Avant de continuer sur mes jeux préférés de l'année, j'aimerais rapidement parler de quelques mentions honorables. Vous connaissez peut-être mon amour pour la saga Ace Attorney, et il était logique que j'attendais la version londonienne de la franchise. The Great Ace Attorney était assez sympathique, mais j'attends encore de jouer au deuxième opus pour le verdict final, car je sens que les deux sont bien liés.
En tout cas, en termes de musique, d'univers et de personnages, c'est toujours au top, même si les affaires sont hélas assez inégales. Inscription a été une grosse sensation indé de cette fin d'année. C'est un jeu de cartes avec des règles très agréables qui ne nécessitent pas de farm des boosters pour y jouer, et ça c'est appréciable. Mais c'est avant tout un jeu avec une direction artistique renversante qui arrive à inclure des éléments d'horreur sans trop nous déboussoler. Et bien sûr, comme on le perçoit dès les premières minutes, Inscription cache bien plus que cela, et sa fin m'a particulièrement marqué. J'ai découvert la saga Metroid avec l'épisode Dread, et si j'avoue avoir été perturbé au début, j'ai finalement été séduit par le parti pris du studio de créer un environnement labyrinthique qui pourtant arrive toujours à me guider. Metroid Dread, c'est une grosse montée en puissance remplie d'action et d'aller-retour subtilement amenée, accompagnée de combats de boss excellents. Bref, si tout ne m'a pas convaincu, la maniabilité de Samus est un régal et j'ai finalement adoré explorer la planète ZDR. Je suis maintenant très curieux de découvrir les autres opus, notamment Super Metroid. Enfin, c'est un petit jeu sur des déménagements, Unpacking, qui a été mon petit plaisir de cette fin d'année. C'est un jeu terriblement intelligent qui, sous une mécanique très simple de déballage de cartons et de rangement, arrive à nous raconter l'histoire d'une femme que l'on suit depuis son enfance jusqu'à l'âge adulte. Grâce aux objets, on devine son travail de dessinatrice, son style de vie, ses passions, sa vie amoureuse et bien d'autres. Unpacking n'a pas chamboulé mon année, mais sa narration est rafraîchissante et en fait incontestablement mon plaisir des fêtes de fin d'année. Allez, maintenant on peut revenir sans transition à mon top de l'année, sans ordre particulier je le rappelle. Parmi les rattrapages de 2021, il y a un jeu que j'ai enfin joué car sa suite arrivait cette année, et cette désormais saga est devenue un coup de cœur. Et je parle bien évidemment de Psychonauts 1 et 2. Il faut savoir que j'aime beaucoup les plateformeurs 3D, c'est un genre plutôt rare aujourd'hui, et découvrir Psychonauts a été un plaisir de tout instant. Surtout que le jeu était vraiment en avance sur son temps. En effet, dans Psychonauts, nous incarnons Rasputin, ou Raz pour les intimes, actuellement au camp d'été pour Psychonauts, en gros des agents psychiques qui possèdent des super pouvoirs. Et il va se passer des choses bien étranges dans ce camp d'été, et Raz va enquêter pour en apprendre un peu plus. Et comment me direz-vous ? Eh bien en allant directement dans les pensées des gens pour essayer de dénicher des informations cruciales. Et là réside tout le génie de cette saga, car les niveaux des esprits des personnes sont bouillonnants de créativité et parfaitement en lien avec leur véritable psyché. Par exemple, le monde de Mila, une psychonaute toujours joyeuse, ressemble à une discothèque où on fait tout le temps la fête. A l'inverse, le monde de Sacha, un psychonaute rigide et sérieux, ressemble à un bête cube au damier noir et blanc. Et là, ce ne sont que les niveaux d'introduction, car plus vous avancez dans l'histoire, et plus vous découvrez des mondes rocambolesques dont certains m'ont fait lâcher des exclamations puissantes, tellement je ne m'attendais pas à ça. Psychonauts 2, sorti cette année, reprend exactement le même concept et continue directement l'histoire, arrêtée à la fin du premier opus. Si je trouve que le premier jeu possède les niveaux qui m'ont le plus surpris dans ses idées, le deuxième opus propose quant à lui une mise en scène inventive et magnifique, et des niveaux la mettant bien en valeur. Psychonauts 2 m'a ainsi particulièrement marqué par sa narration, bien plus profonde et poussée que dans le premier opus. Car si ce dernier jouait beaucoup sur la psyché des personnages, cela était utilisé comme prétexte pour fournir des niveaux fun avant tout. A l'inverse, Psychonauts 2 arrive à proposer des niveaux incroyables à jouer qui ont en plus un sens profond caché, parfois même tragique. Psychonauts 2 propose en effet des thématiques adultes, parfois même très sombres, comme la culpabilité, l'anxiété ou le fait de prendre soin de sa santé mentale. Et chaque niveau est visuellement en accord avec les émotions que ressent un personnage. Le jeu a d'ailleurs un petit trigger warning sur certains sujets sensibles pour information. J'ai pas envie de vous en dire plus, mais sachez que vous ne vous ennuyez jamais dans cette saga, que ce soit le premier ou le deuxième opus. Mention spéciale pour la VF du premier jeu qui lui confère un certain charme. Ah, oh, quelle horreur, je ne peux pas poser les yeux dessus, mais je contrôle mon dégoût, je le gère. Ah oui, et ce sont aussi deux jeux réellement drôles, et là encore, ça fait plaisir de nos jours. Et le monde se porte mieux. Bref, Double Fine fait partie des studios qui gardent une indépendance créative rafraîchissante de nos jours, et je ne peux que vous encourager à découvrir ces jeux, d'autant plus qu'ils sont tous les deux dans le Game Pass. It Takes Two est un jeu que j'attendais énormément. J'ai toujours aimé les deux précédentes productions du studio, Brothers et A Way Out, et j'étais très curieux de voir ce qu'il allait advenir de ce It Takes Two. Et j'étais bien loin de me dire que le jeu allait être aussi fantastique. Sa plus grande force, c'est de renouveler constamment sa proposition de jeu. En effet,
It Takes Two nous raconte l'histoire d'un couple, Cody et May, sur le point de divorcer et qui sont malencontreusement transformés en deux petites poupées à cause de leur fille qui souhaiterait que cela se passe mieux. Les deux parents vont ainsi essayer de retrouver leur corps d'origine en traversant divers niveaux représentés par des pièces de leur maison et sous les yeux du docteur Hakim, le livre de l'amour utilisé par leur fille pour le sortilège magique. Et chaque gros niveau possède sa mécanique qui lui est propre et qui est différente selon le personnage. Par exemple, le tout premier pouvoir que l'on obtient est un clou et un marteau. Le marteau permet de taper des objets et le clou peut être lancé. Une fois contre un mur, un clou peut servir au marteau pour s'accrocher et ainsi passer au-dessus du vide par exemple. Ce n'est qu'un exemple de début de jeu, mais les situations ne font que se renouveler. It Takes Two ne cesse de surprendre aussi bien dans son gameplay que dans ses mondes époustouflants. Les différentes mécaniques de chaque monde ne se ressemblent pas et il y a toujours une nouvelle idée à chaque niveau. La coop est très bien pensée et nécessite une réelle coordination des deux protagonistes pour avancer. Et en plus de ça, les mondes sont remplis de plein de petits mini-jeux simples mais efficaces qui verront s'affronter Cody et May. Certaines personnes ont été plus ou moins déçues par l'histoire, mais à titre personnel, je l'ai surtout pris comme prétexte pour nous présenter des mondes qui ont du sens pour les personnages. Bref, je n'ai pas grand-chose à rajouter, It Takes Two est un jeu dans lequel on ne s'ennuie jamais, un jeu créatif à tous les niveaux et un des meilleurs jeux coop auxquels j'ai pu jouer. Solar Ash était un immense pari pour le studio Earth Machine. Hyper Light Drifter est un de mes jeux préférés de tous les temps, par son ambiance mélancolique, son univers qui fascine et qui repousse, son gameplay précis et exigeant, sa bande-son qui me remplit d'une émotion particulière à chaque écoute. Pas de doute, passer après ce jeu était un grand défi. D'autant plus que le studio n'a pas décidé de se reposer sur ses acquis, puisqu'il est passé au moteur 3D et avec un gameplay différent et une direction artistique facilement identifiable et pourtant différente d'Hyper Light Drifter. Le projet était casse-gueule et pourtant, pour ma part, le pari est entièrement réussi. Solar Ash raconte l'histoire de Rey, une coureuse du vide, ou Void Runner en anglais, qui débarque dans l'Ultra Void, au sein d'un trou noir, car ce dernier menace d'absorber sa planète d'origine. Elle doit activer la graine d'étoile Starseed pour ainsi agir sur l'Ultra Void et empêcher la catastrophe. Pour ce faire, Rey va explorer ces régions hostiles et inconnues pour éliminer des grandes anomalies qui empêchent l'activation de cette graine d'étoile. Solar Ash m'a très vite convaincu par la fluidité de son gameplay. Alors là encore, ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais pour ma part, je trouve que Rey maîtrise la glisse sur ce monde fascinant grâce à ses mécaniques de jeu réduites au minimum. Cette mécanique de glisse est brillamment mise en scène au sein des environnements somptueux de l'Ultra Void et aussi lors des affrontements des anomalies qui ne manqueront pas de rappeler Shadow of the Colossus. C'est peut-être ce qui est à reprocher au jeu finalement. Sur cet aspect-là, il ne surprend pas beaucoup et on aurait aimé en avoir plus, même si heureusement, la mise en scène reste splendide. Car c'est bien là que Solar Ash se démarque de la concurrence, par sa direction artistique si unique avec ses couleurs chatoyantes et qui arrive à nous proposer une cohérence globale malgré des décors très différents selon les mondes. Solar Ash, c'est le sentiment même d'errer dans un monde en proie à la destruction et au chaos, et dont émane une certaine poésie de ses décors. Une fin du monde toujours présente dans les thématiques du studio Earth Machine, dont le créateur souffre de problèmes au cœur. Solar Ash est une grosse montée en puissance. Chaque environnement est toujours plus somptueux, toujours plus agréable à parcourir, toujours plus apte à nous retourner le cerveau. Ne vous laissez pas berner par son premier monde qui est purement un tutoriel, car le jeu est loin d'être timide concernant son univers. Il est un peu passé inaperçu en cette fin d'année, j'ai l'impression, et oui, il n'a pas atteint la claque qu'a été Hyper Light Drifter. Mais Solar Ash reste très marquant par ses parties prises audacieux, par son ambiance de fin du monde et par sa fluidité qui s'accorde parfaitement dans ses niveaux. C'est de nouveau pour moi un gros coup de cœur. Enfin, si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que j'allais parler du DLC d'Outer Wilds. Alors ça c'est sûr, je ne pensais pas un jour voir un tel projet apparaître, car sur le papier, le jeu n'en a effectivement pas besoin. Et pourtant, force est d'admettre que le résultat est surprenant. Je vais très peu en dire sur ce DLC car je trouve que la moindre info serait déjà gâchée du plaisir de la découverte. Mais voici ce dont vous avez besoin de savoir. Sur Atrebois, la planète d'origine de notre personnage, vous découvrez une petite station d'observation qui a pris quelques photos depuis un satellite dans l'espace. Et vous remarquez que quelque chose cloche dans ces photos. Et vous n'êtes pas le seul, puisqu'un des astronautes s'en est aperçu aussi. Vous vous rendez à côté du satellite pour essayer de comprendre, et après quelques observations, vous faites face à cet étrange phénomène. Qu'est-ce qui en est à l'origine ? Pourquoi ne l'a-t-on jamais vu auparavant ?
Toutes ces questions et bien d'autres trouveront des réponses dans ce DLC que j'ai trouvé fantastique. Je ne pensais pas qu'il était encore possible de nous faire ressentir de nouvelles émotions dans Outer Wilds, et le studio Mobius Digital m'a de nouveau bluffé. Ce DLC vous emmène de surprise en surprise à chaque fois que vous essayez de comprendre ce qui se passe, et quand vous avez de nouvelles informations, vous vous rendez compte que tout était là sous vos yeux depuis le début, caché d'une manière très intelligente. Echoes of the Eye possède des séquences un peu plus effrayantes que d'habitude, et le choix peut paraître surprenant. Pourtant, comme je l'avais expliqué dans ma précédente vidéo sur le jeu, Outer Wilds nous fait sentir humbles devant le gigantisme de l'espace. Se sentir tout petit nous décuple nos émotions, et on a facilement peur de l'inconnu et de ce qui nous attend. Et ce DLC joue parfaitement sur cette fascination de l'inconnu qui nous provoque aussi de la peur. Alors cela amène aussi beaucoup de frustration, et c'est ce que j'ai pu lire de nombreuses fois. J'avoue que ça ne m'a pas spécialement gêné, mais je n'ai sûrement pas la même tolérance sur ce sujet. Une option peut réduire cet aspect, même si je ne l'ai pas testé de mon côté. Malgré cela, Echoes of the Eye propose une expérience différente du jeu original, tout en respectant ses origines et son principe de base, et avec une histoire incroyable qui m'a réellement pris aux tripes lors des révélations finales. Je trouve qu'on n'en parle pas assez, mais les histoires que raconte Outer Wilds sont bouleversantes. Bref, pour toutes ces raisons, et bien plus encore, Echoes of the Eye est sûrement mon jeu de l'année. On arrive donc à la conclusion de cette vidéo qui est déjà beaucoup trop longue, alors pour la fin je vais aller à l'essentiel. Je voulais simplement vous remercier pour cette année 2021. Même si j'ai posté peu de vidéos, ce sont trois sujets qui me tenaient à cœur et dont je suis très content du résultat. J'aurais aimé en faire plus, mais on a tous des contraintes de temps compliquées, donc j'essaye de faire au maximum. Toujours est-il que vos retours m'ont fait énormément plaisir, et je souhaitais en profiter pour vous remercier tous et toutes pour vos commentaires, vos j'aime et vos partages. Mention spéciale à tous les créateurs et créatrices de contenu qui m'ont partagé, que ce soit depuis peu ou depuis longtemps. Je sais que cette année, j'ai eu pas mal d'abonnés grâce à cela, donc merci beaucoup. Trop de gens à citer et j'en oublierai sûrement, mais vous vous reconnaîtrez, je n'en doute pas. Merci aussi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite sincèrement une excellente année 2022 en espérant vous retrouver vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut. Bon, je vais tout reprendre. D'abord, on est allé au bout de la rue, puis on a tourné à gauche. Puis on a tourné à droite, puis on a tourné un peu à droite. Puis on a tourné bien à gauche. Puis on a pris une petite route. Puis on a fait 5 km. Puis on a fait 3 km. Puis on a fait demi-tour. Puis on a été attaqué par des guêpes. Puis je suis tombé dans une bouche d'égout. Puis j'ai donné un os à Azor.